Pour le Sportsman Amen, il y aura 8 participants à cette finale de 50 tours avec Pit Stop à la mi-course. Steve Gagnon partira premier, René Desmarais deuxième, Michel Delisle troisième, culbuteur du Sail Panel. On va se positionner, s'il vous plaît, il y a un volontaire pour qu'on parte ça. Donc, Sail Panel, culbuteur, si vous ne pouvez pas venir, trouvez-vous un remplaçant. Donc, let's go, les culbuteurs. Donc, partira premier Steve Gagnon, deuxième René Desmarais, troisième Michel Delisle, le 114. René deuxième, René Desmarais. Parfait. Gagnon. Il est où, Gagnon? Donc, Steve Gagnon. Parfait. Troisième, Michel Delisle. Quatrième, le 101 de Étienne Marcoux. Cinquième, le 26 de Pierre-Yves Joyal. Sixième, Michael Witty. Septième, Éric Massicotte. Et huitième, Tommy Burke. Ce sont nos 8 partants pour cette finale. Mudbus Sportsman, Pit Stop spécial à la mi-course. Donc, au 25e passage, messieurs, on vous fait signe et on s'arrête sur le droit arrière. On ne repasse pas à l'avant. Je vais être clair avec ça durant la course. Je ferai le décompte et seuls les ajustements main nue ou encore avec une clé d'ajustement pour l'angle de carrossage sera permis. 1, 2, 3. Volontaire sur le droit arrière, s'il vous plaît. Si on prend un volontaire pour le Mudbus Sportsman et Main. Donc, volontaire, s'il vous plaît, parmi les gens présents pour qu'on parte cette finale. Merci, c'est très apprécié, M. Burke. Donc, c'est 50 tours cette finale, messieurs. Il va tranquillement, Steve Gagnon. Oui, un tour complet, comme à la coutume. Un tour complet. Au prochain passage, ce sera un départ pour 50 tours jusqu'à la mi-course. En sortant de la 4. Et c'est parti! 50 tours cette finale. Arrêt mi-course. Et dès le départ, c'est Gagnon devant Desmarais. Très belle course pour aujourd'hui, Michel Delisle, qui est en troisième place. Attention entre la 3 et la 4. Et c'est reparti. Toute une lutte à l'avant entre Gagnon et Desmarais, le 25. Par l'intérieur, le 25, s'approche du 7 de Gagnon. En troisième place, c'est Delisle. Quatrième, Joyal. Non, je crois que Joyal passe troisième maintenant. Et oui, c'est fait. C'est une longue course de 50 tours. Aucune erreur n'est permise. À la mi-course, on arrête les véhicules. Oh, sur le droit arrière, on va sur sa touche. Le 25 passe premier, le 7 deuxième. Joyal est troisième sur la même ligne droite. Il y a 8 tours de complétés. Quatrième, c'est Delisle. Cinquième, Marcoux. Sixième, Massicotte, Witty et Burke. Donc, le 25 est premier. Deuxième place, le 7. Troisième, le 26. Léger accrochage entre la 1 et la 2. C'est reparti pour les deux véhicules. C'était le 26 qui tentait de prendre un tour au 04 de Witty. René Desmarais en avance de 0.4 secondes seulement. Le numéro 1. La deuxième place légèrement ralentie dans le trafic, mais garde la deuxième, c'est le 7 de Steve Gagnon. 13 tours de complète, on est à 12 tours de la mi-course et de l'arrêt. Attention sur le droit arrière. C'est le meneur qui s'accroche. Tout doux, Michel, tout doux. La troisième place s'accroche légèrement avec Burke. C'est le 26 de Joyal. Joyal va reculer dans le classement, je crois. C'est Massicotte qui sera troisième. Accrochage de droit arrière pour Massicotte. Et c'est Joyal qui va peut-être revenir. On va vérifier les tours. Oui, Joyal en lutte avec Marcoux, le 101. C'est serré. Joyal est troisième. Oh! Incident à 3 et la 4. 18 tours de complété. On va approcher de la mi-course. 19 maintenant. Le meneur est le 25 de René Desmarais. 20 tours. À l'instant, 5 tours avant l'arrêt de la mi-course. Le meneur est le 25, deuxième position. C'est Gagnon, mais je crois que c'est peut-être Joyal qui va se rapprocher. Oui, Joyal, Joyal rentre trop fort, s'accroche. 22 tours pour le 25 de René Desmarais. Pendant ce temps-là, la troisième place de Joyal accuse maintenant un tour de retard, mais en lutte. 24 tours à l'instant. Donc, au prochain passage, on aura la mi-course. Donc,
Le 25, tu passes le fil d'arrivée, tu t'arrêtes sur le droit arrière. Tout le monde complète son tour. Tout le monde complète son tour. Et on s'arrête sur la ligne droite arrière. On s'arrête, messieurs. On ne repasse pas la loupe. Donc, messieurs, vous avez 2 minutes, c'est parti. René Desmarais, premier devant Gagnon. Joyal est troisième. On va y remettre sur le lead lap comme Massicotte, comme Witty. Donc, tous les véhicules vont sur le tour du meneur. Donc, messieurs, soyez attentifs. Je vous donne vos positions. Il nous reste encore 1 minute 30. Messieurs, soyez attentifs. Je vous donne les positions. Rappelez-vous-en. Vous êtes d'accord? Yo, les gars. Retenez vos positions. OK, retenez vos positions. Desmarais premier, Gagnon deuxième, Joyal troisième, Massicotte quatrième, Witty cinquième, Marco sixième, Bourque septième, Delisle huit. Donc, je rajoute les tours aux pilotes qui ont des lap down. Donc, Joyal, je lui rajoute 2 tours. Massicotte, je lui rajoute 2 tours également. Les gars, vous rappelez vos positions? Je vous pose la question, vous en rappelez? Parfait. Non, vous allez prendre les positions que je vous ai données. Ensuite de ça, Witty, je te redonne 2 tours. Tout le monde va sur le tour du meneur. C'est une course de 25 tours, finalement. Marcou, je te redonne tes tours. Et Delisle, tout juste, tu avais 3 tours down. On te remet sur le lead lap. Hey, ça, c'est gratis. On va le prendre. Donc, tous les véhicules ont 25 tours maintenant. Tommy Bourque également. Donc, messieurs, placez vos véhicules en conséquence. René avance juste un peu. Ce sont les positions. Donc, messieurs, tranquillement sortant de la carte, ce sera départ pour les derniers 25 tours de cette course. Ça part immédiatement, c'est parti. Tout le monde est sur le tour du meneur par l'intérieur, Joyal. Kamikaze move par l'intérieur de Ventiste. Et voilà l'erreur. Malheureusement, il est en avant pour une curve. Et maintenant, qui en profite? C'est Massicotte, mesdames, messieurs, le 27. Le 27 de Massicotte est premier. Deuxième, démarrait. Troisième, Joyal. Aucun erreur n'est permise. Tout le monde est sur le lead lap. 25 et 26, tente de remonter le 27. Donc, à l'avant, on a 27, 25, 26. Est-ce qu'on va changer l'ordre? Le 25 par l'intérieur, maintenant le 25, 27, 26. Et le 26 remonte sur le 27. 1, 2, 3, à l'avant, le 25, le 27 et le 26. On va venir se rapprocher du l'arrière du peloton. Et maintenant, le 25, 26, 27, mesdames, messieurs. Le 25 est premier, suivi du 26 et du 27. Dans le trafic, le 25 est René Desmarais. On va prendre un tour à Bourque. On fait attention. Oh, erreur et ouf! Du bicycle pour Joyal. Ça a passé proche. Encore 15 tours à faire. Le 25 est premier, le 26 est deuxième. Gagnon maintenant remonté troisième. Malheureusement pour le 27 de Massicotte, reculé 4. Cinquième, c'est Witty, Bourque. Marcou et Delisle, il va nous rester 11 tours à l'instant. 11 tours à faire, 11 laps to go. L'avance de démarrer sur Joyal est de 1,9 secondes. 1,7 maintenant. Il va nous rester 9 tours à la fin. 9 tours à faire, 9 laps to go. Démarrer premier, deuxième Joyal, troisième en remontée, c'est Steve Gagnon. Aucune erreur n'est permise. 7 tours et demi à faire pour le 25. Prochain partant, c'est le mode basse modifié Amen. Mais on va mouiller légèrement le circuit. Oh, le meneur vient lousse! Le 26 et le 20 et le 7 se rapprochent. Attention, le 04 et le 114, les meneurs s'approchent. Attention, 04, c'est la deuxième position, la troisième près de toi. Et malheureusement, c'est Joyal qui sort perdant alors que 7 en a profité de passer deuxième. 4 tours à faire pour le 25. Deuxième, c'est le 7. Troisième, c'est le 26. Il ne reste pas beaucoup de tours. Attention devant le droit.
On va repasser le véhicule de Marco. Tout l'obstacle, deux tours à faire pour le 25, le drapeau tourne. Deux tours à faire pour le 25, drapeau blanc. À l'instant, le 7 se remet, rapproché. Le 25, le 7 et le 26 sur le lead lap. Et le 25 vient l'emporter à l'instant, voilà. On complète, messieurs, pour la victoire du numéro 25 de René Desmarais. Deuxième, Steve Gagnon. Troisième, Pierre-Yves Joyal. Photo à l'avant. Massicotte termine 4, Michael Whitty 5, Tommy Bourque, Marcoux et Delisle. C'est complété.